Salut, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous prévenir que de deux choses en fait. Donc la première, c'est que la vidéo qui va suivre là, elle va être découpée aussi en deux parties. Donc il y aura la deuxième partie, le deuxième thème de build qui sortira demain. Donc vous comprendrez ce que c'est thème de build, je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc la deuxième partie sortira demain, voilà, avec une explication en intro ou outro similaire. C'est plus en intro parce que l'outro je l'ai déjà du coup. Et du coup voilà pour ça, et pour le reste, c'est que pour le premier thème de build, donc cet épisode-là, il y a le vocal Discord, je me suis foiré. J'ai mis Gaga 53, donc la personne avec qui je vais construire, je l'ai mis sur le même son que mon micro, et vu que j'arrive pas du tout à faire en sorte que en fait le son des mecs sur Discord soit assez audible par rapport au mien avec mon micro, et eh bien tout simplement il est vraiment très très peu fort, et du coup j'augmente son son de temps en temps, mais il y a mon bruit de fond quand même qui persiste. Donc vous avez certains moments où vous comprenez pas forcément ce qu'il dit. J'ai coupé certains moments où c'est pas forcément utile, mais le reste du coup vous en avez quelques-uns où j'ai mis surtout un seul, plutôt j'en ai mis un seul à la fin où on comprenait pas du tout et c'était utile à le mettre pour moi, où j'ai mis le texte en jaune avec des guillemets. De toute façon, si vous voyez sur ma chaîne des guillemets avec texte en jaune, en général, c'est une citation d'un mec qui a dit quelque chose ou un truc du genre. Donc là, en l'occurrence, je mettrai Gaga 53 entre parenthèses après. Donc ça va, ça vous serez pas perdu en fait. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Oh. Salut tout le monde, c'est Largbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur le Creativity, pour un j'apprends un build en compagnie d'un invité spécial qui va tout simplement m'apprendre, et qui est un ancien builder du serveur, qui va m'apprendre à build en fait, c'est aussi un ancien admin d'ailleurs. Et du coup je voudrais l'accueillir fièrement, c'est... Ouvre la porte. Bonjour. La pire intro de tous les temps dans ce... Referme la porte derrière toi quand même. Coucou. Bon bah du coup voilà, je fais Gaga 53. Et bon d'ailleurs il a toujours le grade d'admin, mais en vrai il fait plus trop son travail d'admin, il est plutôt inefficace. Bon, du coup on va faire en deux thèmes tout simplement. On va chacun, donc là on a mis une séparation, on a mis deux plots qu'on a regroupé sur le Creativity, et on a mis là le plot de Gaga et là le mien. Du coup bon, soit on s'en fout de quel endroit on est, mais du coup voilà, on a coupé en deux, chacun sera sur sa partie, on peut pas voir ce que l'autre va faire, et on va devoir faire sur un thème que Gaga 53 ou moi on va choisir, on va devoir faire, le mieux c'est Gaga 53, c'est quand même toi que tu choisisses, parce que du coup t'es plus builder que moi, donc c'est mieux pour m'entraîner que tu saches quel thème on va faire quoi. Et du coup, à la fin, on va se juger tous les deux nos builds. Donc voilà. Donc le premier thème, quel va-t-il être? Putain, mais il est en train de refaire le mur. T'as envie de faire quoi comme thème? C'est un pont. Ah, donc ça, en fait, c'était un pont, c'est ça? Ça, c'est pas un pont. Ok. Un pont décoré, ok. Donc 15 minutes, j'ai un timer à côté de moi. Donc on va pouvoir démarrer, je vais juste le mettre sur mon téléphone. Et puis dès que ça sera bon, bah... On va commencer. Vas-y. Putain, mais... Qu'est-ce que t'as foutu? On t'a... Décore pas le mur. Putain, bon. Retourne dans ton plot. Retourne dans ton plot. Il a même fait un escalier, le mec. En mode jump. Retourne dans ton... C'est bon, t'y es? Ok. Attends. T'as même décoré de l'autre... Tu fais sérieux avec... Une porte qui mène sur du vide en plus. Bon, vas-y, retourne dans ton plot et ferme. Ferme cette porte. Voilà. Ok, je vais d'abord lancer le timer et on se mute Discord juste après. Donc, est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1. Go! Ok, alors moi du coup, je viens de le mute Discord. Donc là, parfait. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du coup le pont. Donc le pont, bah, on va essayer en concrète.
Bon, on n'a pas son point de vue du coup, ce qui est un peu dommage, mais on verra, on verra à quoi ça ressemblera à la fin. Non, qu'est-ce que je raconte pas en concrète? Jamais on ne fait un pont en concrète. Moi, je mettrais du bois. Merde, wood. Hop, parfait, 64. Alors, il faut pas aller trop vite non plus, genre, prendre un peu son temps. Le bois, en fait, j'aurais voulu pas faire un pont-levis, mais un pont décoré. Donc, en pont décoré, déjà, ce qu'on peut faire, c'est, j'aurais pu faire deux îles qui peuvent se rejoindre. Donc, on va faire de la terre. Hop, bon, ça sera vraiment à l'arrache. Ça sera pas fait. Je suis pas un pro en build du tout. Voilà. Alors là, hop, on va la décaler un petit peu par là. Tac. Ensuite, voilà, on détruit tout ça. Hop, voilà, on détruit le bas. Et ensuite, on va pouvoir faire notre première île. En fait, je vais lier les deux îles ensemble. Donc, hop, voilà, tac, tac, tac. Donc, ok, voilà, on fait une première plateforme de base d'abord. Bon, ça sera une plateforme, quoi, voilà, en premier. Et ensuite, ça va devenir un pont. Donc là, on peut mettre, tac, voilà, le début du pont. Voilà, on va pas faire juste ce build-là, non. Évidemment, je vais pas juste laisser du bois comme ça, quoi. Et il faut juste que je fasse gaffe à pas sortir du plot, vu que j'ai toutes les perles. Je peux sortir du plot en buildant, donc faut que je fasse un peu gaffe. Voilà. Là, ici, voilà. On peut dépasser un petit peu. Comme ça. Ouais. On a large. Large. Ok, voilà. Parfait. Ensuite, l'autre côté, du coup. Oh, mais l'autre côté, en fait. J'avais de la place de l'autre côté. Vraiment, j'avais de la place. Hop, du coup, on va placer comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, j'avais pensé à faire des timelapses en build battle. Donc, si vous des timelapses des builds, comme ça en plus, on pourrait voir comment ils construisent aussi. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire. J'affiche une fiche à l'instant. Paf. Voilà, pour savoir si vous aimez bien, si vous voulez bien avoir des timelapses de build. Tout simplement pour ses builds à lui ou les miens aussi. Surtout sur les siens, je pense, parce que moi c'est un peu moins bien construit, mais je verrai bien en montage sinon. Mais vu qu'avec le mode que j'ai utilisé pour le mode que j'ai utilisé en fait pour faire le début de l'intro là de la chanson La Reine des Neiges, bon en fait c'était un mode qui permet de faire des timelapses en soi. Et du coup bah on peut s'en servir en plus que le début comme je l'ai fait où genre on pouvait tourner autour du mec. On peut faire des timelapses avec en accélérant le temps et tout, comme on veut. Donc ça serait cool. Et normalement ça l'agrège moins que si je fais des accélérés. Il me reste 11 minutes. D'ailleurs je mets le timer normalement à l'écran. Et puis en fait ça devrait aller je crois avec le timer. Enfin j'espère parce que du coup avec y a un effet sur Sony Vegas. Le logiciel de montage pour le timer. Je sais pas si ça fonctionne en accélérant, parce que j'avais testé, ça fonctionnait pas trop avant. Mais on va bien voir. En tout cas, normalement il y a un timer. Ok, bon. L'île pour le moment ne ressemble à rien. J'avoue. Et je sais même pas si à la fin elle ressemblera à quelque chose. Donc pour le moment, j'ai pas envie de me jeter des fleurs ou des trucs du genre. Mais là, elle ressemble à rien pour le moment. Hop, voilà. L'île qui est pas si grande que ça. Hop, oui, elle passe. On peut, pas jusque là non plus. Je vais, voilà, on va faire 3. 3, ça me va. 3 de longueur, ok. 3 autres, ok. Et après peut-être aussi, je vous mets une deuxième fiche. Est-ce que vous préférez, est-ce que, bah, je vais faire un test la prochaine fois. Mais est-ce que vous voulez des trucs de build battle, trucs comme ça où j'apprends à build? Ou en fait, dès que je suis avec quelqu'un d'autre, on se met tous les deux en vocal. Comme ça on peut se parler en même temps pendant le build. Voilà. Et ça pourrait être plutôt drôle aussi. Donc, hop, voilà. Bon, je vais vous retrouver dès que j'aurai fini le build. Ou alors non, ouais, non, c'est bon, c'est rapide à faire. Hop, voilà. On est bientôt à la fin de l'île. Il me reste 9 minutes
Et c'est-il le bon ennemi de la copie pour faire pareil en face? Voilà, parce que sinon ça sera trop long. Voilà, on peut la mettre en profondeur. Voilà, 2 de profondeur. Et vu que je suis un peu con, j'ai oublié d'utiliser World Edit. J'aurais pu utiliser World Edit, c'est vrai, pour faire juste. Genre, je fais juste ça. Je prends. Merde. Il faut peut-être que je mette le chat. Voilà, c'est les commandes, voilà. Slash wand. Et là, on se met juste là. Jusque ici. Slash 7 grâce. Okay. Oh putain. Ouais, du coup, il y a le Fast Assassin World Edit, genre, qui permet de moins lag avec World Edit. Qui nous spam un petit peu. Hop. Pour ceux qui se demandent, du coup, c'est bien, c'est du World Edit qu'on utilise. Mais là, c'est Fast Assassin World Edit qui permet juste, c'est un ajout pour World Edit, le plugin, pour tout simplement pouvoir. En fait, ça gère mieux dès qu'on construit des gros trucs, dès qu'on met des grosses surfaces, ça gère beaucoup mieux. Hop, je suis vraiment. La prochaine fois, il faut vraiment que je gère un peu mieux ça parce que là. Je galère pendant hyper longtemps à faire une petite île comme ça, alors que je pourrais tellement le faire avec World Edit simplement. Là, c'est juste les détails qui sont plus compliqués à faire avec World Edit de base. Mais en soi, le reste, ça va. Donc, hop, voilà, on va un peu, en gros, je le détruis un peu comme ça pour faire un peu, c'est du naturel, quoi, tout simplement, sur l'île, même si elle ne ressemblera pas du tout à du naturel, je pense. Voilà, elle sera pas du tout naturelle. Ou alors vraiment très peu. Mais je sais pas, on va bien voir à quoi ça ressemble. En tout cas, moi je fais mon taf. Ça ressemble pas du tout. Ok, bon. Le thème n'est pas une île. Donc, je vais faire le pont au moins. Hop. Parce que sinon, on est un peu mal barré. Là, on va prendre la première position. Et on se met tout là-bas. Pour faire la deuxième position. 7, du coup c'est wood. Ouais voilà, wood. Ok. Ça part plus sur un pont-levis en fait. Parce que je sais pas décorer à côté. Vraiment, je sais pas du tout. Donc ça part plus sur un pont-levis. C'est. Merde, ça s'appelle comment? Porti. Fence. C'est des fences. Ok, voilà. Comme ça, en fait. Là, déjà, pourquoi pas mettre. Je pense mettre ça sur le côté. Comme ça. Voilà. Comme ça, on va mettre sur le côté. Voilà. On le met ici. Hop. Voilà. Comme ça. Et là, bah, ça devrait être. Bon, ça ferait un truc un peu dégueulasse quand même. Mais ça serait mieux que si je juste les planches comme ça, les pauvres planches. Ça fait. Ouais, ça fait un. Le pont est peut-être un peu trop long quand même. Pour ce que je peux savoir faire, le pont est peut-être un peu trop long. Mais à part ça, ça devrait aller quand même. Donc, le bois comme ça. Hop. Voilà. Allez, hop. Hop, c'est bon. Voilà, ça, il faut augmenter de 1 à chaque fois. Voilà, et après, je devrais pouvoir enlever normalement. Non, ouais, non, en fait, non. Non, pont-levis, ouais, c'est bien comme ça. Il n'y a pas la porte, par contre, à côté. Donc, voilà, on va faire un pont-levis où on monte bien. Et en fait, il serait trop long. Ça sera beaucoup trop long. Je vais l'arrêter peut-être là. Par rapport à l'épaisseur que j'ai fait, ça serait beaucoup trop long aussi. Même pas. Je sais pas, bon, on va augmenter en hauteur. On va monter en hauteur évidemment. Mais du coup, ouais, il faut monter un peu plus. Comme ça, je pourrais voir à quoi ça ressemble à la fin.
Ok, j'ai trouvé une technique plus rapide, je crois, pour faire, pour mettre tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, on va mettre, voilà, en hauteur déjà. Et là, je vais pouvoir, hop, monter, monter, monter. Et je sais plus ce que c'est en fait. Ça doit être clic droit là. Voilà. Comme ça, voilà, on est en hauteur et puis là, on va pouvoir descendre en fait au fur et à mesure. Donc là, je vais casser tout ça. Voilà, ok. Je casse tout ça comme ça et ça sera plus simple en fait. Bon, c'est toujours un peu long quand même, mais ça sera quand même plus simple en général. Ok. Voilà. Et là, je vais pouvoir trouver quelle taille de pont je dois mettre. Ok. Bon, je gère un peu mieux comme ça. Là, c'est parfait. C'est pas un pont si long que ça en plus. Donc là, voilà, il faut juste écarter un peu. Et je peux directement mettre de l'air à la place. Voilà, cut tout ça. Ok, donc là, bah, je fais pareil. Mais je fais pas... Ouais, non, non, en fait, si. Si, oui, ok, je peux cut jusque-là. Je peux cut tout ça. Et puis là, je fais pareil, j'enlève tout ça. Parfait. Voilà, on enlève tout ça. Il reste combien de temps? 2 minutes 37 et j'ai fait si peu. Genre, j'ai fait si peu. Genre, je pensais vraiment que j'allais faire un truc un peu plus grand, mais... Mais non, j'ai fait vraiment très peu. Donc... Hop, voilà, ça devrait être là la limite. Là, on se met de l'air. Voilà, de l'air. Donc, cut. Et on fait pareil ici, je crois. Merde, voilà. C'est pareil là. Et ensuite, ici à enlever. Voilà. Donc là, on a fait une partie. Je vais copier de l'autre côté après parce que là, merde, il manque une épaisseur à faire. Le pont est si nul. Le pont est si nul. Putain. J'ai pas envie de lui présenter ça en vrai même. Juste ça me donne pas envie de lui présenter juste. Putain. Vraiment, je vais lui présenter cette merde. Ok. Bon, on va quand même essayer de. Non, il n'y a aucun moyen que je le rende bien ce pont. Je vois pas de moyen là en si peu de temps. En plus, c'est avec mon niveau. Je ne vois pas du tout de moyen. Là, bon, l'île n'a servi à rien en fait, parce que bah je l'enlève. Voilà, on l'enlève. C'est bon, il n'y a plus d'île. Il y a plus d'île. L'île n'a servi à rien. C'est un magnifique pont quand même. On va juste se mettre, ouais, quand même une petite plateforme là où on dirait. Je sais même pas ce qu'on dirait, mais. Voilà, on dirait rien du tout. Hop, voilà. On a dit, ouais, attendez, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, 7 de longueur. 1, 2, 3, ok. Ça fait un carré. 4, 5, 6, 7. Et là, on se met bah, de l'herbe. Voilà. C'est bientôt la fin du timer en plus. Je vais devoir ici. Et là, je vais arriver tout là-haut. Juste là. Voilà. Comme ça, là. Ouais. Slash, slash, pose. Ok, comme ça. Slash, slash, pose. 1. Slash, slash, copie. C'est... Putain. Déjà, merde. Attends, il faut que je refasse. Il faut que... Oh, ok. Je vais copier en étant juste là. Oh putain, c'est déjà la fin. On va gratter juste 2 secondes. Fast. Merde. Non. Undo. Putain, attends 2 secondes. Tac. Allez, hop. Et là. Voilà, c'est un pont pourri. Dégueulasse. On a fini. C'est fini. Putain, j'ai fait un truc merdique. Alors, on juge en premier ton pont, comme ça on voit le plus beau d'abord, et ensuite le plus moche. En vrai, j'avoue, je pensais que vu que t'es un builder, t'allais faire un truc un peu plus ouf, mais vraiment, tu sais, ah ok, tu veux, t'avais pas, ok, t'avais mal géré le temps.
Bah moi aussi. Exactement. Ok, bon, déjà t'as réussi à faire un truc meilleur que moi en 15 minutes. Mais par contre, je vois pas pourquoi il y a un bloc de glowstone qui est en train de voler, attaché à rien du tout. Non, bah, je voulais faire un truc avec des bandes de redstone, mais t'as dit fini, donc. Ah, ok. Bon bah ok. Alors, combien je le noterais sur 10? 6 sur 10. C'est bon. T'as mal géré ton temps, etc. Moi je sais que j'aurais une pire note. Mais 6 sur 10, c'est un bon pont quand même. Enfin, franchement, ouais, c'est un bon pont. Pour ça, oui. Ouais, pour le temps en plus, pour 15 minutes. Ça va. Et surtout que t'as mal géré. Bon allez, ramène-toi, viens, passe par la porte. Moi je suis passé, je me suis TP, j'ai eu aucun respect. Voilà, passe par la porte, regarde mon pont, il est merveilleux, non? Il plombe, il toque. Ouais, je voulais faire un truc avec deux îles qui se rejoignent et puis un pont entre les deux. Mais bon, l'île, j'ai mis 5 minutes à la faire et puis je l'ai enlevée après. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'était une bonne idée. Ça avait tellement bien super. Bah pourtant, j'ai pas réussi à la faire, l'île. Ah ouais, mais bon. Elle était un peu dégueulasse. Si je te fais un undo pour te montrer à quoi ça ressemblait. Hop, tu vas voir l'île réapparaître juste à côté. Ouais, c'était ça, voilà. Bon, j'avais pas fait la liaison entre les deux, j'ai essayé d'un peu détruire l'île par le bas. Mais c'était quand même toujours trop carré. Tu vois? Donc, c'est pas ouf non plus. Alors, combien est-ce que tu notes? Du coup, je remets comme c'était. Voilà. Merde, attends, c'est pas ça. Voilà, comme ça. Pas exactement. Ah, bon, aussi, apparemment. Bon, c'est bizarre parce que c'était lié entre les deux, je crois. Bon. Combien tu le notes sur 10? Bah en fait je voulais faire un pont-levis et je me suis rendu compte que ça ressemblait à un viaduc quand même. C'est vrai que ça ressemble à un viaduc. Parce que j'ai fait des deux côtés. Quelle est ta note? Alors, déjà c'est un pont. Déjà on remarque que c'est un pont, bravo. Bon, ça déjà c'est aussi 3. Au-dessus de 3, ok. Il met trop longtemps. Il y a un petit effort de bûche. Ah. Ouais, parce que je trouvais que ça allait être la même couleur, sinon en fait la même chose. Donc j'ai voulu mettre les extrémités avec le bois comme j'ai dit. Sinon ça allait être trop moche si c'était juste le bois tout seul. Oh! Oh, il est trop sympa! Un 4,5, ouais. Ah, il est moins sympa. Ok, et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'améliore peut-être? Il y aura aussi au record pour la prochaine vidéo si t'as envie. Si t'acceptes Je toujours d'en pense faire une. qu'il y aura. Là, tu verras dans la vidéo comment j'ai galéré avec le fait que j'ai pas utilisé World Edit au début surtout. Par exemple, ça c'est un des trucs. Au début j'ai pas utilisé World Edit du tout. Pendant au moins 5 minutes. Ah mais t'as grave raison, c'est quoi? C'est ça que j'aurais dû faire pour une île. C'est quoi? C'est slash slash sphère? Slash slash sphère. Et il faut mettre quoi là? Le bloc que tu veux et après le relais. On va mettre glowstone. Non, ouais, non. Un truc naturel. Ouais, bon, on va mettre stone. Et je peux mettre 3. Waouh! C'est magnifique! Et du coup, on peut en faire une autre à côté pour faire un truc plutôt réaliste. C'est stylé, waouh! Franchement, ouais, j'utiliserais ça, mec. Putain, mais oui, t'aurais fait un truc beaucoup trop cool! En fait, je voulais faire un pont-levis, mais j'ai pensé à l'idée de relier deux îles. Du coup, ça matchait pas trop avec le fait, parce que du coup, avec le fait de faire ce pont-là. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo, donc l'outro je la fais seule vu que du coup j'ai dû la découper en deux la vidéo, et du coup il faut faire une des deux outros, donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo.
Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous renseigner pour le nouveau planning de vidéo que j'ai mis en place depuis, en fait, depuis aujourd'hui, justement, et que j'ai annoncé hier. Je l'ai mis, c'est dans le à propos de la chaîne, il y a le planning. Je le mets aussi en description. Et moi, du coup, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, pour la suite de ce J'apprends à build. À demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss! Je sais même pas pourquoi j'ai pris des dégâts ici. Bon, bref. Tchuss!